Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un truc secret de Call of Duty Infinite Warfare, donc en mode multi. Alors tout simplement, faut que je fasse une grosse dédicace à Trash Death Zombie, car c'est lui qui me l'a appris. Il l'a remarqué chez un américain qui a fait une vidéo là-dessus. Et voilà, il m'a transmis l'information. Donc grosse dédicace à toi poto, je mettrai sa chaîne en description. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Alors première chose, vous lancez Call of Duty Infinite Warfare. Ensuite vous allez dans multijoueur, pas dans zombie, hein, multijoueur. Sinon vous n'arriverez pas à voir la carte cachée. Alors là vous allez dans partie publique, on va dans caserne. Après on fait modifier carte d'agent. Et là, vous allez dans défi d'âme. Et là, ensuite, vous appuyez deux fois sur R1. Et plein de monde m'ont demandé qu'est-ce que c'était la carte top secrète. Ben, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais je peux vous la montrer, les potos. Je vais vous montrer la carte secrète. Alors, vous êtes prêts à la voir parce que c'est du lourd, les potos. C'est du lourd. C'est du exclusif français aussi. Francophone. Grosse dédicace à Trash Dead Zombie. Grosse dédicace à Trash Dead Zombie. Un bon pote à moi, merci à toi poto. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Ouvrez grand vos yeux, les mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Et voilà. Voilà. Et ouais, ça envoie du lourd les potos. Suffit juste de débrancher sa manette les potos. Vous débranchez le câble de votre manette si vous êtes connecté par câble. Ou alors vous fermez tout simplement votre périphérique tu vois, de manette. Et voilà. Après vous voyez la belle carte d'agent top secret. Donc carte de visite, excusez-moi, top secret. Qui est, bon bah, deux trolls. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Eh ben, Trash Dead en a déduit, et je confirme que c'est une bonne supposition, c'est qu'il y a un secret dans Shaolin Shuffle. En même temps, il faut savoir que cette carte top secret s'est mise le jour où les mises à jour se sont mises pour Shaolin. Donc, on en déduit, et surtout qu'il y a un secret qui tourne autour de David Savage. Si vous ne savez pas c'est qui, vous n'allez pas tarder à le savoir. Je vais faire une vidéo là-dessus. Dès que j'aurai la possibilité de le faire. Donc ce serait un potentiel secret qui n'a pas encore été découvert sur Shaolin Shuffle. Et on pense que cette carte de visite avec les deux gros trolls correspond à ce secret en fait, tout simplement sur la carte de Shaolin Shuffle. Donc voilà, ça c'est notre avis personnel, hein. Vous en saurez plus sur le secret dès que j'aurai fait une vidéo, ou peut-être que Trash Dead en fera une. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Trash Dead Zombie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes contenus vous plaisent, et si mes contenus et ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, plus partager pour essayer de me faire évoluer sur YouTube, et commenter si vous avez quelque chose à dire. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.